Bienvenue sur la Flip TV. Nous sommes le vendredi 13 juillet, la Flip TV, c'est parti. Bonjour à tous, c'est déjà le troisième épisode de la Flip TV, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Anthony, c'est parti, top chrono. Alors, je n'ai pas de chrono, Pauline, mais je suis avec une Ludo vraiment au top. Cathy, alors qu'est-ce qu'on trouve sur la Ludo? Alors, sur la Ludo, on en a pour toute la famille. On a un espace pour les bébés, un espace pour les plus grands avec du jeu symbolique pour jouer à la poupée ou marchande. Et puis, on a aussi tout un panel de jeux de société pour jouer en famille et même pour les gros joueurs. On a quelques jeux qui leur sont réservés. Vous faites aussi des tournois? Alors oui, aujourd'hui c'était tournoi de Blocus, mardi tournoi de Strike et vendredi prochain tournoi de Crazy Cop. Bon Pauline, je te laisse, j'ai vraiment envie de jouer. Merci Anthony et surtout n'oublie pas, si tu veux être au top, prends des notes et vote pour ton jeu préféré. Alors le trophée éditeur, c'est 5 jeux dans 4 catégories différentes qui ont été choisis en amont. Donc vous trouvez les jeux qui sont dans votre petit pass festival. Alors on vient jouer au jeu sous cette tente là. Nous on est deux à travailler sur le stand trophée. On vérifie, on vous explique les règles, on vérifie que vous y aviez bien joué. Et on a un tampon qui certifie que vous avez bien joué à ces jeux. Sur chaque grille on peut voir qu'il y a une note à mettre sur 20. Donc vous pouvez mettre une note sur 20. Et c'est également votre bulletin de vote. C'est-à-dire qu'il y a des urnes qui se retrouvent à l'accueil. Vous pouvez donc voter pour les jeux que vous avez préférés. Et pourquoi pas tirer au sort parmi les gagnants. Mettez toutes vos coordonnées ici et vous pourrez tirer au sort. Ça sera en fin du flip. Alors on peut le trouver sur la place du drapeau, à côté de la tente divertissement enfance, et c'est dans la même tente que le stand de réflexion. À chaque fois qu'on va remplir une grille, on va se diriger vers l'accueil, et donc il y a un petit barème. Pour une grille réussie, c'est 500 flippers. Pour deux grilles réussies, c'est 1000. Trois grilles, c'est 1500. Et pour quatre grilles réussies, c'est 2 whoopies. Donc il y a aussi des petites récompenses comme ça. Merci Anthony. Ne serait-ce pas le cri du joueur? On recherche le cri du joueur. Est-ce que tu peux nous faire le cri du joueur? Yes! On a gagné! Yes! Ouais! Ouais! Pauline, je crois que j'ai trouvé non pas le cri du joueur, mais le cri de la bête. Miaou! Bibi, sol, 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 la, 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 ah, ah, la, 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 ah, ah. Le jeu. Le gagnant. Bravo aux gagnants du jeu. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez liker et commenter les posts Facebook et gagner un jeu tous les jours. On passe à l'instant Whoopi. Selon le Whoopi antique, à la ceinturio. Avec César, respect, robustesse. T'es romain? T'es pas breton? Wouhou! La Flip TV, c'est fini pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, nous sommes le vendredi 13 juillet. Alors pour ceux qui voudraient tenter leur chance, ce soir il y a le Casino à partir de 22h. On se quitte sur quelques images du village des jeux sportifs. Et surtout, n'oubliez pas, sortez et allez jouer! What I'll never touch, I sing. And what I'll never touch in me, I would've never thought.